trophée Eric Beiersdorf. Et puis on rappelle qu'il y aura la course des propriétaires tout à l'heure, une course de retard dont vous avez fait le tirage au sort, vous nous en reparlerez tout à l'heure. 8 participants, effectivement. 8 participants, exactement. Mais pour l'instant, ce qui vous intéresse, c'est le prix Albert Viel, trophée du syndicat national des propriétaires de trotteurs. Attention Anthony, c'est à vous. Allô, Captain Crazy au galop, Captain Crazy au grand galop, le grand favori est au galop, Captain Crazy, il va perdre toute chance d'entrée de jeu, Captain Crazy, c'est fini. Coup de théâtre dans ce prix Albert Viel avec la faute en début de course de Captain Crazy. Et c'est Coquin Bébé qui a pris l'avantage, le gagnant du Critérium des jeunes qui est donc en tête avec tout près également à la corde le 4 Cochise Griffe. Crystal Monet également est bien parti, c'est le numéro 14 alors qu'on se dirige vers le premier tournant. Crystal Monet qui prend l'avantage même sur Coquin Bébé alors que le grand favori Captain Crazy, le 11, a été disqualifié. On sort du premier tournant, direction la ligne droite des tribunes. Et on va assister à un relais devant avec Crystal Monet qui a été repris par Franck Livard qui va certainement laisser faire Coquin Bébé qui avait gagné le Critérium des jeunes de bout en bout et qui vient reprendre la tête sans trop se presser. Pour l'instant, Jean-Michel Bazir qui vient très gentiment à un tour du but prendre la tête à Crystal Monet et il n'a pas encore complètement couvert son adversaire Jean-Michel Bazir. Il va le faire progressivement en se dirigeant vers la descente. Cocktail Mélois est tout prêt avec également Cochise Griffe. Canary Match le 15 est dans le dos des premiers avec un peu plus loin Classica du Ruel, le numéro 12 Kazakh Jaune. À la corde il y a le 10 Cuise la Motte qui patiente en 7-8e position pour le moment. La descente avec un nouveau relais peut-être devant car Cocktail Mélois est en train d'accélérer. On accélère aussi avec Canary Match. Jean-Michel Bazir laisse faire tout le monde pour l'instant. Il laisse... Oh, Coquin Bébé qui hésite, qui est au galop. Ah, Coquin Bébé au galop. Coquin Bébé le 13 au galop. Aïe, 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 on va perdre l'autre favori du prix Albert Viel. Incroyable, les deux favoris disqualifiés dans le prix Albert Viel. C'est fini aussi pour le 13, donc Coquin Bébé. Et c'est Canary Match qui a pris désormais la tête et la corde avec dans son dos Cocktail Mélois. Le 14, Crystal Monet qui est la troisième. Avec à l'extérieur un cheval qui se rapproche, c'est le numéro 4, Cochise Griffe. Avec à son intérieur Classica du Ruel, le numéro 12, Cuise la Motte le 10, patiente, tout comme le 2, Captain Sparrow. Cuise Smiling Glass vient ensuite avec Cobra Bleu, le numéro 9, qui est au sein du peloton. La montée, Crystal Monet qui prend la tête sur Canary Match qui le laisse faire. Avec toujours tout près du groupe de tête, Cocktail Mélois qui est à la corde, Cochise Griffe le nez au vent. Classica du Ruel qui est là en 5e position avec à son intérieur Cuise la Motte, Captain Sparrow venant ensuite. Et voilà Cobra Bleu qui est lancé par Pierre Vercruis. La montée, Crystal Monet qui contrôle. Mais voilà Cobra Bleu qui a grandes enjambées, se rapproche désormais. Et la course qui va prendre une autre dimension. Crystal Monet qui contre pour l'instant Cobra Bleu avec tout près à la corde Canary Match. Avec également dans le groupe de tête Cochise Griffe, Kite Griffe également qui se rapproche à son tour. Le numéro 8, le dernier tournant avec Crystal Monet. Tête et corde le 14 à son extérieur. Le 9, Cobra Bleu. Canary Match le 15 qui patiente à la corde. Kite Griffe. Le numéro 8 qui est venu 4e, Cocktail Mélois qui est 5e, devant Cuise la Motte le numéro 10. Le tournant final avec toujours Crystal Monet à la corde, à son extérieur Cobra Bleu, Canary Match dans leur dos, devant Cocktail Mélois, 4 chevaux qui semblent eh bien, désormais s'expliquer pour la victoire. La ligne droite finale, Crystal Monet qui est en tête, Cobra Bleu qui va tenter de l'inquiéter avec dans leur dos Canary Match et Cocktail Mélois. Crystal Monet débordé par Cobra Bleu et Pierre Vercruis qui prennent l'avantage facilement, Cocktail Mélois qui finit bien tout comme Canary Match. Cobra Bleu pour Pierre Vercruis qui a toujours nettement l'avantage dans ce prix Albert Viel. Cobra Bleu et Pierre Vercruis qui remporte le prix Albert Viel. La deuxième place à voir entre le 14 Crystal Monet et le 7 Cocktail Mélois. La quatrième place pour le 15 Canary. Eh bien Olivier, restez avec moi Olivier. C'est Cobra Bleu qui s'impose dans ce prix Albert Viel 2015.